Bonjour les challengers. Aujourd'hui, l'équipe Finish Taekwondo de la chaîne YouTube vous lance le défi. Décoiffer Bob en réalisant Pakachagi. Si vous n'avez pas de Bob, vous pouvez adapter le challenge avec un simple support et un plomb par-dessus. Bonjour les challengers. Aujourd'hui, l'équipe Phoenix Taekwondo de la chaîne YouTube vous lance un défi. Réalisez que Dub Chagi. Bonjour les challengers. Aujourd'hui, la chaîne Phoenix Taekwondo sur YouTube vous propose le défi réaliser Bitoro Chagi. Bonjour les challengers. Aujourd'hui, la chaîne Phoenix Taekwondo sur YouTube vous propose un défi Soko Chagi. Bonjour les challengers. Aujourd'hui, l'équipe Phoenix Taekwondo de la chaîne YouTube vous lance le défi relever du ninja. Bonjour les challengers. Pour réussir à décoiffer Bob, nous allons vous expliquer comment réaliser le coup de pied Pakachagi. C'est en réalité très simple, c'est un coup de pied simplement circulaire. Il faut juste venir en croiser avec son pied et venir de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser le plot qui est sur sa tête. Donc simplement, je viens ici et je tourne mon pied sur l'extérieur. Je fais un arrondi avec mon pied. Si vous voulez plus de détails sur ce tutoriel, allez simplement voir notre chaîne Phoenix Taekwondo sur YouTube où nous détaillons encore plus cette technique et les autres. Bonjour les challengers. Nous allons vous expliquer comment réussir le défi Kedab Chagi. Alors, pour réaliser ce coup de pied, tout d'abord, il faut frapper avec le dessus du pied. Donc, retirez simplement vos doigts de pied en les mettant vers l'arrière. Vous exécutez un mouvement de talon-fesse, vous ramenez le talon au fessier et vous déclenchez la frappe vers l'avant. Vous repliez votre jambe, vous montez simplement votre genou en vous aidant du pied d'appui qui tourne vers l'intérieur, ce qui aidera l'ouverture. Vous déclenchez une seconde fois, vous repliez et vous revenez à votre position initiale. Bonjour les challengers. Pour réussir le défi Soko Chagi, nous allons vous proposer un petit tutoriel. Pour réaliser ce coup de pied, je vais donc d'abord frapper de face, plier mon genou, tendre la jambe, frapper, replier, passer sur le côté en ouvrant mon pied d'appui et refrapper latéralement, replier et poser. Pour plus d'informations, regardez simplement le tutoriel sur notre chaîne YouTube Phoenix Taekwondo. Pour réussir le défi du relevé du ninja, nous allons vous expliquer comment faire cette technique. Il faut tout d'abord se laisser tranquillement descendre. Okay. Une fois que vous êtes au sol, il va falloir vous tasser le plus possible. Et vous allez pousser dans les pieds de manière groupée le plus possible, pousser dans les mains et ramener d'un coup le haut du corps tout en essayant de reposer rapidement les pieds.